Alors Alexandre Parine est le premier à avoir tenté, dans les années 1920, de préciser le contexte de formation de la vie sur notre planète Terre. Il a proposé que des synthèses prébiotiques, c'est-à-dire des synthèses se produisant avant la vie, avant la formation de la vie, des synthèses prébiotiques des biomonomères du vivant, des briques élémentaires, acides aminés, bases azotées des acides nucléiques, des sucres, se soient formés à partir des constituants contenus dans l'atmosphère de la Terre primitive. Le généticien Aldein a également contribué quelques années après à la mise en place de ce scénario. Et les molécules formées dans l'atmosphère de la Terre primitive se seraient déposées dans les océans pour former un océan primitif ou une soupe prébiotique dans laquelle tous ces éléments, ces composés, se seraient réunis pour former les premières formes cellulaires des protocellules coparines à nommer des coacervats. Et aujourd'hui, en laboratoire, on peut reproduire la synthèse de coacervats par la condensation thermique à haute température d'acides aminés que l'on trouve dans des protéines, ou bien par la formation, la condensation de lipides, de molécules grasses, d'acides gras, donc des lipides que l'on appelle des liposomes, comme vous le voyez représenté euh, sur ces images. Et pour vous montrer euh, combien ces euh, travaux euh, pionniers euh, sont encore euh, modernes, aujourd'hui, en laboratoire, vous avez ici la formation euh, de la fusion et la fission de bactéries de forme L, c'est-à-dire des bactéries qui sont dépourvues de parois, des bacilles, des bacillus subtilis dépourvus de parois. Et un chercheur, Errington, a montré que ces bactéries étaient capables de se scinder, de fusionner exactement comme le font des in vitro. Et de plus, ces bactéries de forme L sont capables de bourgeonner pour former des gouttelettes, des en pro des progénitures sous forme de gouttelettes, exactement comme le font les comme cela est représenté euh, sur euh, la dernière image. Alors Stanley Miller, en 1953, a relevé le défi et, euh, possédant tous les éléments de compréhension de l'atmosphère primitive, il a voulu reconstituer cette atmosphère en laboratoire. Et dans le laboratoire d'Harold Huré, qui a obtenu le prix Nobel pour la découverte du deutérium, un isotope de l'hydrogène, eh Stanley Miller a construit cet appareillage dans le ballon du supérieur. Il a placé du méthane, CH4, de l'ammoniaque, ammonia, NH3, de l'hydrogène, H2, euh, de l'eau, H2O, qu'il a soumis à la décharge électrique. Et au bout de quelque temps, il voit apparaître cinq acides aminés en tout point identiques aux acides aminés que l'on trouve dans nos cellules vivantes. Quelques années après cette énorme révolution conceptuelle et expérimentale, eh bien, Juan Oro a obtenu dans les mêmes conditions, prébiotiques, c'est-à-dire sans enzyme, à partir de la condensation d'acide cyanhydrique HCN, soumis au bombardement de certains photons, eh bien, il a obtenu l'adénine qui est une des briques élémentaires des acides nucléiques ADN et ARN. Et qui plus est, on a retrouvé dans les météorites un très très grand nombre de bases azotées, des acides nucléiques, comme vous le voyez dans cette météorite de Murchison qui s'est formée en même temps que le système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Eh bien, on a trouvé un très très grand nombre de bases azotées. Vous pouvez consulter une publication ré récente de 2011 qui vous montrera le détail de toutes euh, ces découvertes. Un deuxième scénario qui n'est pas euh, du tout incompatible avec celui de la soupe prébiotique mais qui s'appuie davantage sur le rôle des surfaces minérales aux origines de la vie et euh, proposé euh, aujourd'hui par gunther Wachterhauser, qui a été précédé par d'autres grands noms desmond bernal euh, Keon smith eh bien euh, ce scénario fait appel au rôle des argiles et des sulfures de fer par exemple pour participer à la formation des molécules biochimiques clés. Et ceci, donc, le rôle des euh, surfaces minérales se servant de substances minérales environnantes, gazeuses par exemple, est nommé le scénario de euh, la chimio-autotrophie. L'idée est que les premiers organismes étaient chémo-autotrophes. Et évidemment, ce scénario est appuyé par l'existence. Euh, sur les petits cônes volcaniques que l'on trouve en profondeur dans les sources chaudes sous-marines à 3000 mètres de profondeur sous les océans, ces petits cônes volcaniques sont tapissés de euh, pyrite, c'est-à-dire de sulfure de fer ayant euh, réagi avec de euh, euh, ayant réagi donc du sulfure de fer qui a réagi avec de l'hydrogène sulfureux. Alors euh, Évidemment, nous ne sommes pas qu'un sac, je ne parle que de molécules, mais nous ne sommes pas un sac de molécules. Nous sommes constitués de cellules. Et sur cette image, vous pouvez voir donc un compartiment qui représente une cellule à l'intérieur de laquelle s'expriment des macromolécules, ADN, acide désoxyribonucléique, qui va se répliquer pour former d'autres molécules d'ADN, et puis qui y est transcrit également en acide ribonucléique, un proche parent de l'ADN. Une simple petite molécule d'oxygène est supprimée dans l'ADN. Entre l'ADN et l'ARN, il manque un hydroxyle OH. Donc vous voyez que ces molécules sont extrêmement apparentées. Et puis la molécule d'ARN sera traduite en protéines dans, euh, au sein euh, du ribosome, qui est un énorme complexe ribonucléoprotéique. On s'est demandé euh, pendant très longtemps euh, comment des molécules aussi différentes que les acides nucléiques et les protéines étaient apparues sur la Terre primitive au même, en, au même moment, en même temps, euh, au même endroit. Et bien, ce dilemme est en partie résolu grâce à la découverte euh, dans les années 1980 d'une molécule d'ARN particulière qui possède à la fois des propriétés informationnelles, qui portent donc une information génétique, tout comme les, les acides nucléiques, et puis qui possède également des propriétés catalytiques, exactement comme le font les protéines. Donc, euh, un ARN qui est à la fois informationnel, et à la fois catalyseur est appelé un ribozyme. Vous en avez une image représentée euh, sur cette euh, diapositive. Et euh, cette découverte des ribozymes a été euh, la porte ouverte, si je peux dire, à d'énormes travaux, à de considérables travaux, à de considérables découvertes autour des ARN qui ont donné lieu à des prix Nobel. Certaines dates de prix Nobel attribués à l'ARN et aux chercheurs évidemment qui ont réalisé les travaux sur cette molécule, sont portés sur cette diapositive. Alors cette découverte des ribosymes a permis une, à une hypothèse de devenir un véritable paradigme, le paradigme du monde de l'ARN qui aurait précédé le monde actuel basé sur l'ADN, l'ARN et les protéines. Et à partir de travaux au sein même de ce paradigme, un très très grand nombre de questions surgissent. Serait-il possible qu'il y ait un continuum depuis les origines entre un monde ARN, des viroïdes, des virus et enfin des euh, lignées euh, cellulaires Alors il faut dire aujourd'hui que euh, la frontière entre les cellules et les virus s'estompe. On connaît aujourd'hui un très très grand nombre de euh, virus géants. On a découvert récemment, en 2013, ce que l'on appelle des Pandora-virus. On a découvert également que le parasitisme, qui était l'apanage des virus, est en fait une propriété qui est également partagée par certaines bactéries. Certaines bactéries sont également des parasites obligatoires. Donc les bactéries ayant toutes les lettres de noblesse du vivant, on ne voit pas pourquoi cette démarcation serait euh, effi efficiente euh, en ce qui concerne les virus. Les virus sont des parasites obligatoires et donc ils ont droit eux aussi à cette euh, caractéristique, euh, comme les bactéries, d'être vivants. Et puis surtout, on a découvert que des virus s'expriment, ont un métabolisme indépendamment de toute euh, infection dans une cellule hôte. Ici, l'image qui vous est représentée est celle de virus d'Arché, les virus ATV, qui sont capables de synthétiser, de fabriquer des appendices de 800 acides aminés indépendamment de toute infection dans une cellule haute, c'est-à-dire en dehors de toute cellule. Donc les virus sont doués également d'activité métabolique. Et puis on connaît aujourd'hui des viroïdes, qui sont des ARN nus. Sans enveloppe, sans capside, contrairement euh, au euh, virus. Et ces viroïdes sont des particules que l'on nomme subvirales. Et certains proposent que ces ARN nus, qui se promènent absolument partout dans la nature, soient des vestiges d'une évolution précellulaire qui aurait précédé donc, les lignées cellulaires que nous connaissons euh, aujourd'hui. Il faut ajouter à euh, ce panorama qu'on ne connaît aujourd'hui que 1% des espèces actuelles vivant euh, sur notre planète. Les autres ne sont pas connues, certaines sont répertoriées, mais d'autres ne sont pas cultivables, entre guillemets, on ne peut pas les élever, en quelque sorte, si on, euh, et donc on ne sait pas, on ne peut pas savoir, connaître, quel est leur métabolisme, de quoi elles sont faites, etc. Donc on ne les connaît pas. Et de plus, un millième, elle représente euh, ce, ce 1% d'espèces que nous connaissons aujourd'hui, représente un millième des organismes qui ont existé depuis les origines, c'est-à-dire depuis 3,5 euh, milliards d'années. Lorsque euh, nous venons de voir, c'est que tout procède selon un gradualisme du proto-vivant, du prébiotique, du proto-vivant au vivant. On peut vivre, nous l'avons vu, avec les viroïdes, avec les virus, avec les bactéries, de différentes euh, manières. Et nous avons vu que même à l'échelle moléculaire la biodiversité existe. Donc, la biodiversité existe à toutes les échelles, et la biodiversité, nous pouvons le dire, tire son origine des origines mêmes de la vie.